famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Omar. Ah, il fait genre, il fait du sport, mais c'est un mytho, c'est juste parce que ça fait. Arrête, tu viens de soulever 100 kilos là. Vas-y, soulève, voir si c'est chaud. Insultez-le, ceux qui font de la musculation. Mais tu sais qu'il faut s'asseoir et faut chier. Donc aujourd'hui, on va faire nos trois repas préférés. Vous allez voter dans l'espace commentaire qui va gagner. Le regagnant aura droit de faire un 10 000 calories challenge. Donc, fais-le. Donc c'est parti. Je croyais que t'allais mettre avant, donc j'ai anticipé. C'est parti pour la journée, let's go. Je vais vous faire découvrir mon petit déjeuner préféré. Vous allez péter un plomb. Et c'est ma petite sœur Myriam qui va le tester, qui va me dire ce qu'elle en pense. Pourquoi pas moi? Toi, ça ira, toi. Tu testes toute ta vie, tu testes. Ça y est, à un moment donné, regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a au McDo? T'as confiance en lui, Myriam, ou pas? Pas trop. T'as pas le choix de façon. On va faire son meilleur petit déjeuner. On va voir ce qu'il va lui choisir. Pour commencer. Brownie, ça c'est la base. Et par contre c'est pas une grosse, hein, oublie pas son appétit. La chaud. Chocolat chaud, la base. T'en penses quoi pour l'instant? C'est bien. C'est bien? Non, on remet pas plus tard, non. Et pour finir, un cookie. Du coup Myriam, t'as oublié ta chaise de bébé là-bas là. Pas moi. Non, parce qu'il y en a grave, ils ont dit qu'elle a grave grandi. Est-ce qu'elle est sage ou pas à la maison, Yacine? Ouais, franchement, elle est super par rapport aux enfants de son âge, c'est incroyable. Elle a une maturité incroyable. Tu te rappelles quand t'étais petite avant? Et là, elle me dit, j'ai grandi, genre, ça fait quoi? Elle s'assoit et genre, ses pieds touchent le sol. Et tu vois, maintenant, mes pieds, ils touchent le sol. Tu vois, elle grandit. Pourtant, elle mange même pas de fruits et légumes. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Alors, montre le check. Est-ce que tu te rappelles? Tac, 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 tac. Bon, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ferme les yeux. Je vais te faire toucher et tu me dis, à ton avis, c'est quoi? Ben là, que ça brûle. Hein. Ça, c'est quoi? On va voir si c'est un brownie. Trois touches. Vous avez vu la grosse tricheuse? La plus grosse tricheuse du monde. Non, tu vas commencer par goûter ça, c'est à la fin. Ça, c'est toujours à la fin parce que c'est la douceur. Tu vas commencer par goûter ça. Ça, tu sais ce que c'est? Vas-y, tiens, sors-le. Montre-le à la caméra. Wow, il est plus gros que ta tête, frère. Mais le but, c'est quoi? Je vous explique. Le but, c'est en gros. Wesh. Ah ok, je suis un ouf. Y'a quoi? Y'a ça en fait. Faut mettre ça dedans. C'est quoi ce paquet de Doliprane là? J'ai flippé, j'ai cru qu'il n'y avait pas de chocolat. En gros le but, je vous explique. Hein. Attends. On va faire ça. Tu vas péter ton crâne, Myriam, comment c'est bon. Tous ceux qui font pas ça quand ils mangent le matin un brownie, ça, tout ça les gars, essayez, vous allez péter votre crâne. Là on fait le chocolat chaud. Et ceux qui vont dire t'as 25 ans, tu bois un quart de chocolat chaud. Et moi, le café, c'est dégueulasse. J'ai jamais été café, moi, c'est toujours chocolat chaud, toujours. C'est dégueulasse. Mais Rem, t'aimes bien le café, toi, perso? J'ai déjà goûté un peu. Toujours chocolat chaud, les gars. Alors attendez, c'est là qu'on mélange, on mélange. Tac, tac, tac. Prends des cacahuètes. Est-ce que tu sais ce que je vais faire ou pas? Ce que tu vas faire? Ouais, tu vas tremper ta tête. Exactement, il me connaît très très bien. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas tremper un bout du brownie dedans et tu vas goûter. T'es prêt? C'est chaud. Mais Rem, si c'est pas bon, tu le dis. Attends, tiens. C'est chaud, fais très attention. On dit quoi avant? Bismillah. Allez, c'est parti. Trempe. Un petit bout. Essayez ceux qui ne le font jamais chez soi. Et me dis pas, mais c'est dégueulasse. Lavez-vous les mains et faites-le. C'est la base, ça. Même elle le fait le matin. Ça, c'est la base, frère. Verdict. Le problème avec elle, c'est que c'est une tortue, elle mange trop lentement. J'ai un défi de vitesse pour toi. En combien de temps tu penses finir le cookie? Elle va même pas le finir, elle va faire un croc, elle va arrêter, je la connais par cœur. Mais là, fais lui montrer que t'as grandi. En combien de temps tu penses le finir? 30 minutes. Bien. Moi, je reste pas 30 minutes. Je reste pas 30 minutes ici, moi. 10 minutes. Ça ira, en vue. Non, en seconde. 10 secondes. Ok, vas-y. Vas-y, 10 secondes. C'est 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3. Mais t'es voir sa petite 4, bouche, c'est pas équilibré. 5. 6. Ouais, il y a du chocolat dedans, fais voir. Waouh. Ça y est, tu veux plus croquer. Non, ça y est, mange tranquille, Mimi. Bon, en tout cas, c'est le petit déjeuner de Yacine. Elle a tapé la moitié en 10 secondes. Arrête. Fais voir. Ah ouais. A few moments later. Non, c'est non, Yacine qui fait sa séance. On parie combien? Je fais une traction là. On parie? Fais bien, mec. Fais bien, mec. Bien. Yacine a envie de te tuer, il est en train de sors. Ouais, mais je fais ma séance.
Tu vas te... Wesh. Wow. Y'a un truc qui est rentré là. Une, c'est une guêpe. Décale, commence à décaler, commence à décaler. Voilà, si vous voulez devenir musclé, bah faut tout mettre. Oui, mais tout. Le dos il est pas bien droit, l'angle il est pas 90. C'est congolais, c'est qui comment. Si vous saviez. Avant qu'Yassine vous montre le repas, écoutez bien le scénario. Et à chaque fois que je mange, je suis obligé de mettre une vidéo d'un mec qui bouffe. C'est ça peut être n'importe quel youtubeur, là c'est un mec qui mange des donuts. Je peux pas manger, enfin je peux manger sans regarder de vidéo, mais je vais passer un mauvais repas. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris. Pourtant quand j'étais petit, jamais je faisais ça, même Yassine pareil, ma petite sœur pareil. Et je vois de plus en plus de gens, je sais pas, ça me fait du bien de voir un mec qui mange et de moi manger. Donc je peux leur montrer l'assiette. Donc tout a été fait 100% maison. Tout est 100% maison. On a une grosse quantité de frites, un burger avec un bon steak, un croque-monsieur et une salade. Le burger, je vais commencer par le petit burger. On a un fromage mozzarella. Téma, il y a une petite frite qui est venue se coller en lucarne. Magnifique, on va goûter ça, bismillah. Waouh. Téma, le steak avec la mozzarella, c'est incroyable. Et en parlant de steak, quand je regarde les fast-food, quand vous voyez des mecs qui font des hamburgers avec des steaks tout plats comme ça, taillé, hein, c'est des steaks éclatés. Ensuite, moi, les frites, je les mange comme ça. Avec mes doigts, avec de la sauce César, je prends des frites, un peu de moutarde. Manger avec les doigts, il y a plus de sensations, les gars. Et pour finir, mon croque-monsieur, c'est sûrement le moins beau, mais le plus bon de tout. Et ensuite, j'irai au dessert. Bismillah. Et bien sûr, c'est un tiramisu, c'est pas n'importe quel tiramisu. Tu peux fermer la porte, parce qu'il y a des hypocrites qui vont entendre. C'est ma mère qui l'a fait. C'est pas les tiramisu de la dernière fois de la gerve et le trapèze. Ah, ah, Younes. Parle pas de ça. Regarde, ça, mon pote. Maman. Maman, c'est toi qui sais faire ça. Grosse cuillère de Javel. Non, franchement, je pense qu'il est bon. Là, quand je mange des trucs comme ça, j'ai envie d'aller au paradis. Parce qu'au paradis, il y aura des trucs grave plus bons et tu vas pas grossir. Donc, tiens, je vais au paradis. Dis tous Amy. Imagine, tu vas au paradis, tu manges ça tous que les jours. Que des tiramisu. Là, je mange que ça. One hour later. Tout simplement, j'ai le meilleur repas de la journée, mais aussi, j'ai le meilleur emplacement. Regardez-moi ça. Une petite table. Créé à partir de fonctions. Petite table un peu cassée, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Une chaise. Toujours la deuxième, comme ça elle est pas sale. Hop. Après on remet celle-là. La Younes il va crier. Tout simplement. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est magnifique, non? Là, tu penses que c'est toi qui as le meilleur repas? J'ai le meilleur repas. J'en ai assez pour lui, il y en a assez derrière. Ça rentre, on est d'accord. Le baiser. C'est parfait. Vas-y, teste. Hein. Alors. Et ça, c'est. Regardez. Pour accompagner le tout. Alors, je sais pas si c'est des hamal ou pas. Alors, écoutez-moi. Ma boisson préférée, c'est le coca. Dessus, il écrit. Tropico, et là c'est ST. Ah, ils ont tout à l'envers. Ils ont fait des dingueries, mais bon, c'est pas grave. On s'assoit. Bon appétit. Toi, t'as pas de rituel particulier, toi. Mais tu veux qu'on prie, celle-là? Non, mais moi, genre, je regarde toujours une vidéo de bouffe. Toi, tu t'en bats les steaks. Ah, non, moi, d'habitude, je regarde. Mais là, ça faut le savourer. Oh là là, regarde le fromage. Waouh! Bismillah. J'avoue, les pizzas, ça passe crème. Hein. Elle est succulente. Est-ce que toi, tu mets ça genre à l'intérieur, la sauce? Ça nique le goût. Merci. Pas envie d'aller chier pendant une heure aux toilettes, je te le dis. C'est parfait. Mmh. Si vous devez mettre une sauce, c'est que votre pizza, elle est pas assez bonne. Mmh. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, la famille, ça sent un petit repas. One shot. Et c'est quoi comme type de fromage là? Fromage de pizza. Bien. One shot la canne. One shot. En Paris? Attends, faut juste bien que je le mette. Je vais voilà. Faire ça, mais. C'est bon. Après, ça va te faire du mal. Hein. Non, t'inquiète.
C'était one shot ou pas? Bien. On le fout, bâtard. Ah, one shot, ça, je dirais que t'allais dire one shot, tu bois tout. T'es un ouf. Ah, mais je me suis dit, t'es un ouf. Faut savourer. T'es malade. Bon, bah, bon appétit. Votez merci pour lui s'il est chaud. Faut vraiment que vous l'arrachez, hein, vraiment. Vous faites quoi? Faut un live. Il va casser mon délire, frère. Bien. Bonne chance.